promis que j'arrêtais, je mettais un petit peu en pause la chaîne Papa RC. Par contre, quand j'ai pris Addition, j'avais deux projets encore à mener. Et bien évidemment, ceux qui m'ont fait confiance ont quand même droit à leur petite vidéo. C'est quand même la moindre des choses, surtout que Toutou que Julien, c'est un parrain, c'était le dernier parrain de la chaîne. Donc, voilà Julien. Ton Kraton 8S est RPMisé, kanzaïfié et inoxifié. Par contre, il y a du taf. Donc, il y a du taf, il y a eu du taf parce qu'il y avait beaucoup de choses cassées. Et il y a des choses qu'on n'a pas pu réparer, en tout cas que provisoirement. Donc, dans les choses qui sont à voir, tu as ton châssis qui était tordu, et donc que j'ai redressé, mais qui a ici une fêlure. Donc, c'est du Arma. Le prix du châssis, celui-ci, ne coûte pas très très cher, donc ça peut changer. Donc, voilà, faire attention, tu le rosses, et puis quand ça tient plus, ça tient plus, hein. Et puis tu as du coup, sous la même cellule, hein, du coup, tu as ici le pignon, le petite empreinte de la cale arrière ici, qui était coupée. Donc je pense que la cellule a vraiment fait clac, a vraiment vrillé et donc c'est coupé. Donc ici, la cellule plastique qui est derrière n'a plus l'empreinte. Voilà, donc ça éventuellement a changé parce que j'avais pas les pièces. Sinon, on a tout RPMisé, donc les bras de suspension avant-arrière. On a mis la pelle devant et puis la même derrière avec un petit coup de chauffage thermique pour un peu le ramener pour que ça fasse un peu plus joli. Donc on a remis tout en inox, on a tout vérifié. Faire attention, Julien, juste voilà. Quand vous allez dans l'eau, faites gaffe. Mettez un coup de soufflette. Essayez d'essuyer parce que sur les Arma ou sur d'autres, hein, on a vite de la rouille, notamment au niveau des axes de triangle que j'ai dû tout redresser, hein, parce qu'il y en a qui faisaient des S, des 8, machin, donc j'ai tout redressé. Tout ça, ça fonctionne librement. Voilà. Les roulements ont été changés, toutes les vis inox ont été changées, c'est en tout cas celles que je pouvais. Et puis on t'a découpé et mis la coque incassable de la Mimani Arma Kraton avec mon petit système que j'aime bien. C'est pas mon système, hein, voilà. Des riselants donc qui sont attachés dessus. Tout ça par un deuxième lock ici. Si tu le vois, non, tu vois pas. Est-ce que tu vois? J'avais ma main déjà. En fait un deuxième bout de riselant qui est coupé à ras pour faire que ça ne bouge plus. Donc du coup, alors comme la carreau est un peu plus épaisse, tu verras, il y a un petit peu de temps que ça se fasse pour que la marque des goupilles se fasse. Mais c'est pas évident tout de suite de rentrer là, comme c'est neuf, de rentrer les goupilles dedans. Ça rentre, ça passe, mais faut un peu bien viser dans les trous, hein. Dans le trou du trou, hein. Attends, doudou. Attends, doudou. Attends, doudou. Évidemment, c'est le dernier qui est le plus pénible. Donc ça, ouais, on va peut-être essayer de repasser un petit coup de... Donc voilà. Voilà le bazar. Qu'est-ce que ça donne? Moi je trouve que ça donne bien. Franchement, ça fait The Black Widow, la veuve noire. C'est un beau gabarit quand même ce Kraton. Tu peux pas y ôter ça. Ça c'est sûr qu'il a une belle gueule. Il a une belle gueule. Après 500 € le XB, ils ont fumé chez Arma. C'est quasiment le prix d'un châssis de compète. C'est le prix d'un châssis de compète. Donc. Après, hein, chacun y voit ses avantages. Donc voilà, regarde. Là, c'est prêt pour reprendre la route. Et puis encore subir, subir, subir. Commencer à sentir ta machine. Voilà, essayer un petit peu de lui mettre un petit peu des coups d'huile par-ci, par-là, avant les sorties, etc. Après les sorties de là. Parce que
parce que je pense que ça sera bien pour l'entretien de ces voitures. J'ai aussi redressé les deux tourelles avant et arrière qui étaient tordues. Ouais. Il y a le petit pin ici qui retient l'amortisseur qui est voilé. Donc ça, j'en avais pas d'autre. Donc ben, ça, il faudra qu'on le refasse. Hein. Voilà. Voilà. Sinon, que dire, que dire. Ben écoute, hein, elle est repartie. On va regarder juste quand même que je t'arnaque pas. Je t'ai pas mis les roues, mais bon. Voilà. Tac. On met le power de la radio. On met là, branché. Je t'ai mis les EC5, bien sûr. Hop. Par contre, il fait plus bip bip ton Vario. Hein, tu le noteras. Allez, ben, je fais ça comme ça, mais bon. Voilà, voilà, voilà. Et. Donc tout fonctionne, mon ami. Voilà ta petite bête qui va encore te permettre de d'apprendre à la gérer. Et voilà, hein. Allez, salut mon Juju. À tout bientôt. On reste en contact. Hein. Allez, à plus.